jumping. That's right. Achieved with CryEngine 3. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu, on est sur Crysis 3, la bêta disponible depuis le 29 janvier il me semble. Donc elle est disponible sur Xbox 360, PS3 et PC bien entendu. Pour PC, eh bien, il suffit de vous rendre sur Origin. Et pour PS3, eh bien, il suffit d'aller sur Sony donc Market, je sais plus c'est quoi le nom. Sur le PSN Network et sur le Xbox Live. Pour la Xbox, pour le télécharger, elle est bien évidemment gratuite. Comme vous le savez, depuis quelques temps, EA en fait fait des open beta, que ce soit avec Battlefield, que ce soit avec d'autres jeux. Et notamment donc Crysis 3 qui est ouvert depuis le 29 janvier. Je ne sais pas pendant combien de temps elle sera ouverte, mais je sais qu'elle est ouverte pour le moment. Et donc eh bien, je vous propose une petite vidéo dessus. Je vous avoue que j'ai pas mal saigné le jeu. Donc nous sommes vendredi 1, nous sommes le 1 aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 1er février. Et j'ai déjà pas mal saigné le jeu. J'ai monté les 10 premiers niveaux. Et donc là je suis niveau 1 parce que j'ai, on va dire, passé le prestige. Même si c'est bien, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais j'ai reboot mon personnage et donc je suis repassé niveau 1. Je crois qu'on peut le reboot 3 fois dans cette bêta. Donc écoutez, je vais vite vous expliquer les types de jeux. Donc nous avons le Crash Site. Donc qu'est-ce que c'est le Crash Site? C'est plusieurs points de contrôle, comme vous voyez en haut à droite. En fait, cette petite tourelle va apparaître plus ou moins un peu partout dans la map. Le but étant de être approximativement autour et de se faire le plus de points possible. Et donc l'équipe qui s'est fait le plus de points, eh bien, remporte la manche. Donc un peu une espèce de domination un peu spéciale, mais j'ai pas commencé à faire une comparaison avec Call of Duty, mais juste pour les modes de jeu, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Mais de toute façon, je vais faire un gameplay sur les deux modes et vous verrez très bien ce que c'est l'un et l'autre. Le Hunter Game Mode, c'est tout simplement un mode infecté, voilà. Donc c'est le mode infecté, donc vous commencez, donc l'infecté on va dire est en camouflage transparent, donc pendant tout le jeu, et il a un arc et des flèches, et vous, et donc les autres ont l'arme de leur choix, et le but étant de bien évidemment d'être le dernier à survivre. Mais pour l'avoir essayé, ce mode de jeu, il est très 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 compliqué, parce qu'étant donné que celui qui est infecté, donc le Hunter, est transparent, on le voit pas, donc c'est vraiment très très dur de ne pas mourir, mais c'est assez fun, et vous allez voir que tout à l'heure dans le gameplay que c'est plutôt dur, mais c'est plutôt intéressant comme mode de jeu. Donc eh bien c'est parti, on lance une partie. Vous allez voir que les chargements sont très 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 rapides. Donc vous pouvez le voir, je suis niveau 1, mais j'ai déjà pas mal joué à ce jeu. Je me suis fait mon avis sur le jeu,
Et je peux vous dire que mon avis est plutôt positif, étant donné que ce jeu m'a beaucoup plu pour l'instant. Il y a 2-3 petits points négatifs, mais à part ça, mais bon, ça c'est normal parce qu'à mon avis, ces points négatifs sont dus à la bêta, parce que bien évidemment, ce n'est pas le jeu officiel, ce n'est pas le jeu complet, c'est bien la bêta, et c'est bien connu que dans les bêtas, il y a bien évidemment quelques petits défauts, mais on va pas en tenir compte. On va les citer bien évidemment, mais on va pas en tenir compte étant donné que je pense que ces petits bugs seront vite remplacés, seront vite rectifiés du côté de chez EA. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, eh bien les classes, eh bien c'est les classes par défaut, étant donné que je ne suis pas encore arrivé niveau 5, étant donné que j'ai reboot mon perso. Donc, je vais prendre le assaut, c'est l'arme avec laquelle, enfin, c'est le mode de jeu qui me plaît le plus. Nous avons aussi fusil à pompe, mais ça j'aime pas beaucoup. Et nous avons aussi sniper et grosse mitrailleuse, mais j'aime pas beaucoup. Donc, commençons tout de suite à jouer. Donc, je me mets directement parce que je sais que ça arrive ici, vous voyez, hop. Hop, vous voyez, je remarque directement parce que je connais la map, je sais d'où ça arrive et d'où ça vient. Alors, hop, on va envoyer une grenade là-bas. On va essayer de se mettre à l'abri. Bon, vous voyez que ce jeu est quand même assez différent de tous les styles de Call of Duty qu'on connaît, à tous les styles d'FPS que je connais en tout cas. Un peu, il ressemble un petit peu à Halo, hein, bien évidemment. Je ne suis pas un très grand fan de Halo, donc je n'y ai pas beaucoup joué. Mais cet aspect où on peut sauter de haut comme ça, etc. Ah! Non, je l'ai tué, je crois. Ouais, ah non, je l'ai pas tué. Bon, c'est pas grave. Cet aspect un peu futuriste est plus proche d'un Halo que d'un Call of Duty. Mais le style de jeu, quand même, est assez proche de Battlefield plutôt que de... Parce que bon, évidemment, il faut savoir que c'est fait par EA, donc forcément, EA est celui qui a produit, enfin celui qui a fait Battlefield, donc c'est un peu normal que ces jeux se ressemblent. Mais franchement, moi j'aime beaucoup ce jeu pour l'instant. Vous voyez que. Hop. Ah, que assistance, j'étais promu. Bon, niveau 2. Bon, vous allez voir que si vous jouez à cette bêta, que les niveaux sont très très faciles à monter. J'ai dû faire 5 ou 6 parties et je suis monté niveau 10 et donc j'ai passé mon prestige, on va dire. Et donc j'ai plusieurs choses à vous dire sur ce jeu. Et on va commencer tout de suite. On va faire un petit tour. Alors attendez, on va. Hop, toi t'es mort. Ah, j'ai pas réussi à le tuer. Donc déjà vous avez pu voir ça à l'écran. C'est des coups de crosse qu'on donne. Donc c'est d'équivalent aux coups de couteau. Comme sur Battlefield. Attendez, ça c'est pour un peu plus tard que je vais vous montrer. C'est un peu équivalent. Ah non, il avait quoi? C'est un peu équivalent au mode Battlefield quand vous donnez des coups de couteau, donc il faut deux coups de crosse pour tuer quelqu'un. Mais ça c'est assez pratique étant donné que ce coup de crosse, eh ben, vous permet de vous, soi-disant, en quelque sorte, vous téléporter, on va dire. Même si c'est pas quelque chose de ouf, mais vous téléportez pas mal. Et c'est assez pratique étant donné que des fois vous mettez quelques balles dans les adversaires, vous videz votre chargeur, mais l'adversaire n'est pas mort, alors vous lui foncez dessus et vous lui mettez un coup de crosse. C'est un bon point s'il n'est pas utilisé abusivement, étant donné que il y a souvent des gens des fois qui vous foncent dessus et qui vous tirent, enfin qui vous mettent deux coups de crosse et hop, vous êtes mort. C'est assez embêtant étant donné que eh bien, pour les joueurs qui veulent jouer, qui jouent. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent only coup. Donc bon, c'est assez énervant. Donc là, vous pouvez voir que depuis tout à l'heure, je tourne autour. C'est-à-dire que je gagne 50 points toutes les 3 ou 4 secondes. Et donc, c'est pour mon équipe. Et là, vous voyez qu'on est largement en tête avec 105 points. Et alors que l'équipe d'en face n'est qu'à 15 points. Donc, vous voyez que c'est assez rapide quand même. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc, ce qui est bien, c'est que pour modifier votre arme, l'améliorer, eh bien, vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu ou faire quoi que ce soit. Il vous suffit d'appuyer sur Select et voilà, vous pouvez modifier à votre guise. Bon, là, j'ai rien débloqué dessus à part le viseur. Mais vous pouvez débloquer et changer à votre guise tout ce qui vous plaît dans l'arme. Donc ça, c'est un bon point. Pendant la partie, vous pouvez modifier votre arme. Voilà, je pense que c'est super cool comme style de jeu de pouvoir changer de viseur, changer d'atout en plein milieu du jeu. Ah, là, je me fais tirer dessus violemment. Merci à celui qui m'a aidé. Voilà, vous pouvez aussi voir qu'on peut se... Bon, ça c'est le grand truc de Crysis. C'est qu'on peut se mettre en invisible. Donc en appuyant sur RB.
vous vous mettez en invisible. Bien évidemment, ça ne dure pas tout le temps. Là, je me suis sauvagement fait cut, il me semble. Bien, sachez que voilà, je me suis fait cut. Sachez que ça ne dure pas très longtemps. Hein, ça dure une quinzaine de secondes. Hop, là, je t'ai mis un coup de mort. Ah, j'étais promu niveau 3. Bon, ça c'est cool. Vous voyez que ça monte assez vite les niveaux. Hein. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer? Oui, ça, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir. C'est assez cool comme. J'ai déjà fait 2-3 kills avec. Même si bon, il faut avoir vraiment un peu de chance. On va essayer de faire un kill là. Même si je doute de pouvoir réussir à faire un kill. Regardez. Wow, et là, vous mettez un gros coup dans le sol. Ce qui tue pas mal de. S'il y a du monde autour, bah ça les tue. Donc c'est plutôt cool comme truc. Vous sautez d'en haut et vous restez appuyé sur B. Et ça fait une charge électrique dans le sol. Regardez, je vais le refaire. Voilà. Et ceux qui se trouvent autour, eh bien, seront morts. Mais bon, c'est assez rare que ça marche. J'ai déjà essayé 4 ou 5 fois et je n'ai tué que 2-3 personnes. Nous avons aussi ces gros engins là que vous pouvez piloter vous-même. Donc ils sont détruits. On peut les détruire au bout de 5 ou 6 chargeurs. Donc c'est assez chiant. Mais bon, quand toute l'équipe se met dessus, ça peut aller plutôt vite. Hop, voilà. Deux kills déjà, donc je fais un gameplay plutôt pas mal. Je fais du combien? Je fais du 5-5. Bon, c'est pas extraordinaire, mais je fais pas un truc trop dégueulasse parce que sachez que mes premières parties c'était affreusement dégueulasse. Donc là, ça va plutôt pas mal et c'est plutôt cool que ça soit pas trop dégueulasse. Voilà, vous voyez aussi que les sauts sont assez hauts et on peut facilement eh bien se balader. Ah, là il y a un mec. Ah, il m'a mis sauvagement. Bien joué à lui. Vous pouvez que vous sautez vachement haut et vous pouvez vous... En fait, vous faites un peu du Yamakasi. Donc c'est assez cool ça, vous allez regarder. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que vous vous déplacez très facilement de point en point. Regardez, hop, on saute ici. On peut hop, venir ici. Enfin, vous voyez que c'est plutôt un style de jeu où vous bougez pas mal, vous sautez pas mal. Ça se joue beaucoup sur les sauts. Ce jeu, il joue beaucoup sur les sauts et sur les déplacements. Ah, il m'a eu bien joué à lui. Vous voyez que ça se joue beaucoup sur les déplacements. Et vous voyez que là, par exemple, nous avons aussi les killcams. Et vous allez voir qu'à la fin, il y aura les killcams de mes plus beaux kills. Ouais, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, les déplacements. Hop, on se met là, on se déplace là. Il y a beaucoup d'accès. Vous voyez, il y a beaucoup d'accès. Ah, j'ai du mal là. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai un peu de mal. Là, je fais du 5-8. Mec, en face, ils sont plutôt balèzes. Tout à l'heure, ils avaient un peu de peine. Enfin, non, ils ont toujours un peu de peine. On gagne 155 à 35. Enfin, bref. Nous avons aussi, donc, ça. Regardez. Vous pouvez glisser par terre en restant appuyé sur B. Ouah, c'est un petit plus. C'est plutôt fun. Et nous avons aussi l'armure. Regardez, hop. Vous voyez, j'ai mis l'armure. Là, j'ai eu un peu de chance en le butant. Et il a eu un peu de chance en le butant. Mais quand vous activez l'armure, en fait, eh bien, tout simplement, eh bien, vous avez une armure. Donc, c'est plus... beaucoup plus difficile de vous tuer. Il faut mettre à peu près le double des balles pour pouvoir vous tuer. Et donc c'est plutôt cool. Je dis beaucoup c'est plutôt cool. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas trop d'autres adjectifs en bouche. Là aussi nous avons les migrations d'autres malheureusement. Mais ça c'est un peu normal parce que c'est la bêta. Et donc les points négatifs maintenant. Les points négatifs, il y en a 2 ou 3. C'est par exemple là je l'ai vu. Ah non, il est parti. Les 2-3 points négatifs, c'est le décalage du son et des armes. Vous allez voir, souvent dans les killcams, il y aura un gros décalage entre l'arme, enfin, entre l'image et le son pendant les killcams, et même des fois pendant le live, hein, pendant qu'on joue. Ça, c'est assez embêtant, étant donné que parfois on nous tire dessus depuis un bon moment, mais on l'entend qu'à partir d'un certain temps, et ça peut nous désavantager par rapport à l'adversaire. Et nous avons aussi les lags qu'il y a des fois, enfin où les il y a un truc que je comprends pas, c'est que des fois je vois un mec, voilà, là je le, enfin là il m'a eu, mais des fois je vois des mecs, je commence à leur tirer dessus, je leur tire dessus, ça fait déjà 3-4 secondes que je leur tire dessus, le mec se retourne ou me regarde, il commence à tirer et là il me tue. Alors ça m'est arrivé pas beaucoup de fois, hein, je dois vous avouer, hein, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais c'est vrai que quand ça arrive c'est assez embêtant parce que on sait pas trop quoi faire quoi, on fait tout nos possibles, on commence à voir le mec, on commence à tirer, on fait du pré-shoot etc. Et le mec malgré ça, vous voyez, regardez, là je commence, ah bah là c'est normal parce que j'ai mis du temps à recharger. Un truc aussi que je me suis rendu compte,
c'est que j'ai vraiment, enfin ça c'est pas, ça c'est pour moi, c'est mon avis, mais après vous pouvez avoir chacun votre avis, ouais. Mais moi j'ai beaucoup de mal en fait, c'est avec les armes secondaires de ce jeu, étant donné qu'elles ne touchent quasiment à rien, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment très approximatives, c'est-à-dire que vous commencez à tirer sur un mec, vous voulez l'achever au pistolet, et eh bien vous aurez beaucoup de mal parce qu'il faut beaucoup quand même, malgré le fait qu'on ait commencé à lui tirer dessus, il faut quand même beaucoup de balles pour le tuer. Donc des fois ça c'est assez embêtant. Mais à part ça, ce mode de jeu, enfin ce jeu me plaît beaucoup. Et comme vous avez pu le voir, il est plutôt jouable, il n'y a pas trop d'armes cheatées, etc. pour l'instant. Et puis voilà, donc je voulais vous faire un gameplay au tir à l'arc, mais étant donné que je n'ai pas encore débloqué le tir à l'arc, et eh bien je vais vous faire un truc sur Hunter. Et là, sachez que les Hunters, ils sont équipés de tir à l'arc, donc ça sera parfait pour vous montrer à quoi ressemble le tir à l'arc sur ce jeu. C'est un peu le truc emblématique de ce jeu, c'est le tir à l'arc, donc ça serait plutôt cool de vous le montrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, parce que vous pouvez, sur n'importe quelle plateforme que vous êtes, vous pouvez tester ce jeu, vous pouvez l'essayer, donc soit sur Origin, sur PC, sur le Xbox Live ou sur le PlayStation Network, donc n'hésitez pas à le prendre, il est assez cool. Là, vous voyez, nous avons à la fin mes kill cam, enfin les kills que j'ai fait, les plus beaux kills, je sais pas si c'est vraiment les plus beaux kills, mais c'est des kills au hasard que j'ai fait. Et c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt sympa de revoir ces kills un peu, de voir comment on a joué. Là, vous voyez, c'est une grenade que j'ai envoyée, par exemple. Et puis voilà, donc en tout cas, ça me plaît beaucoup. Ce style de jeu me plaît beaucoup. Donc là, je suis déjà niveau 4, il me semble. Niveau 3 ou 4. Voilà, je suis niveau 4. Donc vous voyez que ça monte assez vite. En une partie, je suis monté niveau 4. Donc ça veut dire que ça monte plutôt vite. Donc hop, on va quitter. Et on va faire un petit Hunter, voilà. Donc sachez que le Hunter ça se passe comment? Il y a 5 manches. Donc c'est pas comme il me semble qu'Infecté c'était une manche. Donc une manche et puis hop vous repartiez dans le menu. Là c'est 5 manches et à chaque fois c'est un nouvel infecté. Donc je crois que c'est le dernier. Le dernier devient infecté et ainsi de suite. Donc vous allez voir que ce jeu est plutôt cool. Ce mode de jeu plutôt cool mais assez dur. Franchement il est vraiment dur étant donné que... Attends j'ai relancé parce qu'il n'a pas l'air de vouloir se lancer. Il est assez dur comme je vous ai dit car les Hunters sont invisibles. Donc c'est vachement dur pour les repérer, pour les trouver. Parce que bien évidemment on ne les voit pas donc c'est un peu limite. Alors je sais pas s'il y a des moyens pour les voir, s'il y a des atouts pour les voir étant donné que je n'ai pas vraiment fait le tour de ça. Mais si c'est le cas... Eh bien, j'espère que les gens l'utilisent bien parce que c'est vraiment dur. Donc, ah bah voilà, vous voyez, ça commence bien. Je commence Hunter. Donc, vous voyez, là, on est en invisible et on est only invisible. Et on voit H24 les ennemis sur notre radar. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Vous voyez, donc il nous suffit d'aller dans. Oum. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc déjà, vous voyez, j'ai fait déjà 2 kills. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt simple, vous voyez, quand vous êtes hunter de tuer des gens. Étant donné que eh bien, vous les voyez only 24 sur le radar. Donc là, j'ai réussi à faire 2 kills. Je suis mort une fois. Et je suis 11e, étant donné que je viens d'arriver. Donc c'est le deuxième round. Il y en a déjà un qui s'est passé. Donc j'étais en train de faire le deuxième. Donc vous voyez là, vous pouvez choisir votre classe, je vais prendre ça parce que j'aime beaucoup cette arme. Et le but, c'est bien évidemment de ne pas se faire tuer par les Hunters. Donc vous allez voir que c'est assez difficile étant donné que les Hunters sont... sont assez visibles. Excusez-moi pour ce bug, en fait, je regardais juste mon téléphone. On m'avait envoyé un message, donc j'ai essayé de regarder ce qui se passait. Vous voyez, déjà, je me fais automatiquement tuer. L'Hunter était devant moi, je ne l'ai absolument pas vu, vous voyez. Vous avez rien vu quand vous regardez mon... Vous pouvez faire... marche... Faut assez se concentrer parce que... Vous voyez que c'est assez dur en fait, faut quand même se concentrer pas mal. Parce que... Mine de rien, c'est dur de...
c'est dur de toucher quelqu'un parce que... Regardez, hop, lui on va la voir. Ah, on n'a pas réussi à la voir. Vous voyez que c'est, il faut quand même se concentrer, donc je suis désolé pour... si je m'exprime mal ou si je m'exprime pas du tout d'ailleurs. C'est juste parce que je suis... concentré, voilà. Ah, j'ai eu du mal à toucher celui-là, mais j'ai réussi à le toucher, enfin. Donc, eh bien, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça. Ce jeu me plaît énormément, je pense peut-être l'acheter, je ne sais pas, tout dépendra de mon budget que j'aurai, donc. Où est-ce qu'il était? Ah oui, il était caché dans le mur, vous voyez, il était en invisible lui aussi, et je n'ai pas vu où il était derrière moi. Bien joué à lui, on a réussi à tous éliminer. Je ne suis plus dernier. D'accord, je suis dernier. Je croyais ne plus être dernier. Eh bien si, je suis toujours dernier. Donc on va essayer de faire quelque chose de potable. On va prendre Close Quarters, donc c'est le fusil à pompe. Et puis voilà, donc je pense que je posterai cette vidéo soit vendredi, soit samedi. Plutôt samedi à mon avis. Et donc je pense que d'ici là certaines vidéos auront été postées. Je pense que de grands youtubeurs l'auront fait cette vidéo. Je sais que Poulbiche voulait la faire, il me semble que j'ai regardé sur son Twitter qu'il allait la faire. Donc peut-être qu'il l'a déjà fait, je ne sais pas. Mais donc voilà. On va essayer de finir cette partie, on va essayer de faire quelque chose de potable, on va essayer de tuer le plus de gens possible. Là je sais qu'il y a quelqu'un là-haut, donc on va. Non, je sais pas comment on y accède là-haut, donc c'est pas grave. Donc bon. Et puis vous voyez aussi, quand vous avez l'arc, il faut rester appuyé si vous voulez tuer quelqu'un. Parce que si vous faites juste un tir, en fait, si vous restez pas appuyé, regardez, je vais vous montrer ce que ça fait quand vous restez pas appuyé. Quand vous faites tirer normal, en fait, ça envoie une fléchette, mais pas très forte. Et donc ça ne tue pas l'adversaire, donc il faut rester appuyé 2 secondes il me semble. Voilà, on va voir. Hop, on a encore gagné. Donc ça va être la dernière partie. Les gens, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était pour vous montrer un peu à quoi ressemblait ce jeu. Je vous invite à le télécharger, à tester la bêta tout simplement pour faire votre propre avis. Ce n'est que mon avis, donc bien évidemment les certains bugs, les trucs comme ça que je peux rencontrer. RT for Drobo, c'est quoi ça? Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, donc vous pouvez créer une onde magnétique pour tout simplement voir les hunters qui arrivent. Donc là, survival bonus. En fait, le truc, c'est qu'il faut être... Il faut se cacher. Sachez que nous, on peut pas se mettre en invisible. Donc ça, c'est assez embêtant. Et il faut tout le temps courir, tout le temps sauter, tout le temps être en mouvement pour ne pas se... Donc sur la map, nous voyons les hunters. Donc on va essayer de s'en éloigner le plus possible. Vous voyez, parce que dans la map, les trucs jaunes, eh bien, c'est les hunters. Donc on évite de s'en rapprocher. On essaye d'ailleurs même de les éviter. Parce que, bon, voilà. Donc, j'avais pas vu ça, par contre, que les hunters étaient indiqués sur la map. Donc là, on est toujours en survie. Ça, c'est plutôt cool. On est toujours en vie. On va voir si on va mourir ou pas. Pour l'instant, on a l'air de bien... être parti. Ah, migration d'hôte, c'est très énervant par contre, les migrations d'hôte. Et donc, eh bien, je vais essayer d'envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires sans grande espérance, étant donné que ce gameplay n'est pas terrible et que mes commentaires ne sont pas terribles non plus. Mais bon, au moins ça vous aura permis de vous faire une idée de à quoi ressemble Crysis 3. Crysis 3 qui sort, je ne sais, le 29 mars il me semble, ou le 19 mars. Mais je sais qu'il sort dans pas longtemps, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait la bêta. Et franchement, ce jeu, si j'ai les moyens de me l'acheter, donc si j'ai l'argent pour pouvoir me l'acheter, eh bien je l'achèterai, parce que c'est vraiment un jeu qui en vaut la peine. Parce que vous prenez vraiment du temps, ça change de Call of. Ça change vraiment de Call of, ça n'a rien à voir avec Call of. Et c'est plutôt sympa.
Donc, eh bien, c'était le test de Crysis 3 pour la troisième fois, mais cette fois-ci, c'est la dernière, car on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et dire ce que vous pensez de ce jeu, si vous aimez, si vous allez l'acheter, qu'est-ce que vous pensez de la bêta, si vous l'avez essayé, si vous ne l'avez pas essayé, etc., etc. C'était JTBamilka, je vous laisse sur mes killcams. Prenez soin de vous, à la prochaine.